Avec l'A350, une nouvelle star du ciel est née. Et savez-vous ce qui se cache derrière cet avion high-tech? L'A350, c'est tout simplement la nouvelle arme de l'européen Airbus. Une arme contre son rival de toujours, Boeing et son 787. L'A350 est un concentré inédit d'innovation, de technologie dernier cri. Ce formidable défi industriel a exigé 8 ans d'études et de tests. Vous allez avec ces pilotes, ces ingénieurs, mieux comprendre ce bijou technologique. Quels sont les secrets de sa fabrication? Comment fonctionne cet incroyable mécano géant? Nous allons vous faire entrer au cœur de la machine Airbus avec ses équipes. Difficile d'imaginer les tortures qu'on fait subir à cet appareil pour votre sécurité. Résistance à des froids polaires. Supplice industriel. Pour découvrir cette fabuleuse aventure, vous allez embarquer pour la première fois avec les hommes qui ont fait naître l'A350. Cette escadrille d'A350 vaut 1,5 milliard d'euros. Ces avions sont ce qu'on appelle des avions d'essai. Avec ces appareils, les équipes d'Airbus multiplient les tests en vol pour améliorer encore et toujours les performances, la sécurité et le confort du dernier né d'Airbus. Des tests qui se poursuivent même si l'A350 a déjà effectué son premier vol commercial en janvier 2015. Très exceptionnellement, nous avons obtenu l'autorisation des responsables d'Airbus de suivre un équipage pendant un vol d'essai. Direction Toulouse, la ville symbole de la puissance aéronautique européenne. Ici, 40 000 personnes travaillent pour Airbus. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Martin Scheuermann. C'est l'un des deux pilotes allemands de l'A350 dans lequel nous allons embarquer aujourd'hui. Nous sommes à H-2 du décollage. Martin Scheuermann et l'équipage se retrouvent pour préparer notre vol. L'homme qui va coordonner les tests aujourd'hui, c'est lui, Bruno Bigan. Ce mécanicien navigant est celui qui connaît le mieux l'A350 numéro 2, le deuxième sorti de l'usine de Toulouse. Parcours aujourd'hui pour le vol test. Toulouse, Munich. L'A350 sur lequel nous allons voler, c'est le dernier né de la mythique famille d'Airbus. Un avion nouvelle génération, plus léger que ses prédécesseurs, l'A330 et l'A340, et donc moins gourmand en carburant. Il est plus petit que le gigantesque A380 et du coup plus facile à commercialiser. L'A350 est un bel oiseau de 67 mètres de long. Ses deux ailes forment ce qu'on appelle la voilure. Une voilure d'une envergure de 64 mètres, c'est-à-dire la largeur d'un stade de foot. Il est conçu pour les longues distances. Il peut transporter jusqu'à 350 passagers sur plus de 14 000 km avec 25% de kérosène en moins que ses prédécesseurs. Cet avion est à 53% composé de fibres de carbone, une première. Un matériau un quart plus léger que ceux utilisés pour la génération de l'A330 ou de l'A340. Les moteurs que nous allons vous faire découvrir sont entièrement nouveaux, à la fois plus puissants et plus économes en carburant que leurs prédécesseurs. Bienvenue à bord de ce bijou high-tech.
Nous sommes à 1h30 de notre décollage. Opération délicate, positionner l'A350 sur le tarmac. En tant que mécanicien navigant, Bruno Bigan est le responsable de l'A350 numéro 2. Il le suit depuis sa sortie de l'usine. Bien que l'appareil ait déjà été contrôlé, Bruno Bigan, comme avant chaque vol d'essai, fait une toute dernière inspection. État des pneus, pales du moteur, voilure, c'est lui qui donne le feu vert définitif. C'est un peu le jeu des 7 erreurs. Il faut aller regarder dans tous les coins de l'avion qu'est-ce qui pourrait être anormal. Je regarde que tous les câbles, tous les tuyaux soient bien en position. Pour Bruno Bigan, tout est sous contrôle. Décollage dans une heure. Le pilote Martin Scheuermann prend possession de l'appareil. Si cet Allemand apprécie plus que personne les innovations technologiques, il ne perd jamais de vue le cœur de son métier. Les êtres humains dans les avions, pour moi, ils sont encore très très longtemps indispensables. Et je suis sûr que tous les passagers derrière apprécient qu'il y a quelqu'un de compétence devant qui gère la situation, qui prend des décisions. Et c'est pas que l'automatisme qui fait tout. Aujourd'hui, comme c'est parfois le cas lors des tests, des passagers cobayes vont accompagner les experts d'Airbus pour ce vol d'essai. Ils vont tester le confort, la connectivité, la qualité de l'air. Il faut éviter que les personnes ne sortent. Hein. Il faut vérifier qu'ils soient bien sur la liste. Allez. Vous ne descendez plus, hein ? C'est bon ? Nous allons procéder à la fermeture de la porte de l'avion. Merci de bien vouloir regagner votre siège et d'attacher votre ceinture. Dans le cockpit, Martin Scheuermann et le second pilote se préparent au décollage. Bruno Bigan, installé juste derrière eux, va coordonner les tests. C'est lui qui connaît sur le bout des doigts les essais qui vont être réalisés et il notera durant le vol tous les résultats. Nous sommes prêts au décollage. Moment crucial où l'engin développe sa pleine puissance. La poussée est de 76 tonnes. Un des secrets de l'A350, ce sont ses deux moteurs Rolls-Royce, conçus spécialement pour lui. À l'avant du moteur, cette grosse hélice appelée fan. Elle mesure presque 3 mètres de diamètre. Ce fan est formé de 22 pales en titane. Ces pales, au design twisté, aspirent 1,3 tonnes d'air par seconde au décollage. De quoi remplir d'air le Zénith de Paris en moins de 2 minutes. Vous voyez que cette grosse hélice qui se situe dans l'entrée d'air du moteur participe à 80% de la puissance du moteur. Et on peut apprécier la forme des pales qui sont très évoluées pour avoir une meilleure efficacité, pour réduire le bruit et pour réduire aussi la consommation. Une fois dans le moteur, l'air est compressé, puis se mélange au kérosène grâce à un système ultra sophistiqué. Ce mélange dépasse alors les 2000 degrés. L'air brûlant alimente plusieurs turbines avant d'être éjecté à l'arrière. Et on voit bien à travers ça que le fan sert à accélérer une grande masse d'air et qui passe à travers le moteur. Le corps chaud, il est tout petit et il est tout à l'intérieur. Une seule des pales de la turbine située à l'arrière développe 800 chevaux, soit la puissance d'une Formule 1. Et cette turbine possède 68 pales, 68 Formule 1. Retour à bord de l'A350. L'avion a fini son ascension. Bien pris en main par Martin Scheuermann et l'autre pilote, il est stabilisé. Direction Munich. Si cet avion semble aussi léger qu'un planeur, ce n'est pas seulement dû à son aérodynamisme. Cela s'explique aussi par sa structure en fibre de carbone. Pour mieux comprendre ce matériau, direction les usines de fabrication.
la fibre de carbone est l'innovation majeure de la 350. Ce matériau composite de couleur noire est révolutionnaire. Il pèse 25% de moins que l'aluminium, le métal habituellement utilisé dans l'aéronautique, tout en étant plus résistant et plus rigide. Les ailes sont presque entièrement en fibre de carbone, comme l'ensemble du fuselage. Grâce à la rigidité de ce matériau composite, les hublots de l'A350 sont 30% plus grands que ceux de la génération précédente, sans pour autant fragiliser la structure du fuselage. Et ce n'est pas tout. Cette rigidité permet de mieux pressuriser la cabine. Vous respirez mieux. Fini les bourdonnements d'oreilles causés par la pression. Le fuselage est composé de plusieurs couches de carbone. Elles sont assemblées comme les couches d'un sandwich. Au milieu, il y a une fine couche de cuivre qui sert de bouclier contre la foudre. Pour fabriquer ce matériau, la première étape consiste à entrelacer des fibres de carbone minuscules de 10 microns d'épaisseur. Pour cela, on utilise les mêmes machines à tisser que dans l'industrie textile. Elles produisent une sorte de tissu, 1 mètre par minute constitué de 6 millions de fibres. Et comme dans l'industrie textile, on coud les morceaux de tissu de carbone les uns avec les autres. La fibre de carbone permet d'obtenir des formes plus complexes qu'avec l'acier ou l'aluminium. Le tissu est enduit d'une résine spéciale. Puis, il est cuit dans un four jusqu'à 700 degrés. Aucun fuselage en métal n'a jamais été aussi léger et résistant. Nous avons décollé depuis 20 minutes. Tout est sous contrôle. Les tests peuvent commencer. Pour analyser le comportement de notre A350 d'essai, les ingénieurs l'ont truffé de capteurs, ces petites têtes oranges placées un peu partout. Au plafond, sur les hublots, tout est analysé, variations de température, éclairage, aérodynamisme. Ces capteurs sont reliés entre eux par des câbles. Toutes les informations enregistrées sont centralisées sur des batteries d'ordinateur installées à l'arrière de l'avion. L'ensemble est analysé en temps réel par des ingénieurs navigants embarqués à bord. Stéphane Vaux est le grand Manitou de ces essais. Et à partir de ce poste-là, vous voyez qu'on a plein d'écrans, on a accès à une multitude, ça peut aller jusqu'à 600 000 paramètres. Ben, par exemple, les positions des gouvernes, des températures, des pressions hydrauliques, tout un tas de choses. Et ça nous permet de regarder en temps réel les résultats de l'essai ou de la manœuvre qu'on est en train d'effectuer. Pour prendre la mesure de l'opération, c'est dans les soutes de l'avion que nous devons descendre. Très exceptionnellement, Bruno Bigand nous fait pénétrer au cœur de l'appareil. Tout le gros de l'informatique et de l'électronique, il est ici. Ça, ce sont des bidons. Oui. Qui servent à faire de la masse. Donc, pour pouvoir les rendre plus lourds, on les remplit d'eau. On a en gros 5 tonnes de matériel et de câblage que vous pouvez voir sur les côtés. Donc ça, c'est le lourd de la partie installation d'essai. Là, on a tous les calculateurs et tous les câblages. Sur un avion comme ça, il faut compter à peu près 400 km de fil pour tous les capteurs qui sont installés à bord. Autre nouveauté, la connexion Internet à haut débit. Dans le cockpit, Bruno Bigand peut surfer sur le web en plein vol. Il a aussi la possibilité d'utiliser son portable. Et bien sûr, suivre des dizaines de chaînes en direct avec une qualité irréprochable. Vous pouvez apprécier la qualité haute définition directement dans l'avion. Cette connexion n'est pas un luxe réservé aux pilotes. Tous les passagers peuvent en bénéficier. Et comme à la maison, avoir accès à des dizaines de chaînes. L'avion est aussi équipé pour offrir des vidéos en haute définition.
cette connectivité globale est rendue possible grâce à l'équipement high-tech logé dans cette boîte sur le dos de l'avion. Une autre particularité de cet avion, nous avons cette grosse antenne qui se trouve sur le toit en blanc. Cette grosse antenne nous permet de donner à nos passagers et donc pour nous de faire des essais pour avoir de l'internet, du téléphone. Durant tous les vols tests, les contacts avec les équipes d'Airbus à Toulouse sont permanents. Dans ce bâtiment, appelé centre de télémétrie, de nombreux ingénieurs suivent ce qui se passe dans l'A350. Ils enregistrent toutes les données et transmettent des informations à l'équipe navigante. On est les yeux de l'avion, vu du sol, hein, évidemment, on est là pour aider l'équipage à effectuer son vol d'essai, puisqu'on a des gens ici qui vont être responsables d'amener des réponses à des questions posées par l'équipage et en l'occurrence par les ingénieurs navigants d'essai. Il n'y a pas qu'un équipage, en gros, de 5 personnes qui fait voler la machine, mais avec eux, il y a une multitude de gens qui va les aider et qui va leur fournir des résultats. Sur un premier vol, on va voir un comportement général de l'avion. On n'est pas dans l'avion, mais on a l'impression d'y être. On a les mêmes infos, on a un flux de données qui nous permet de quand même comprendre tout ce qui se passe. On a surtout le dialogue équipage. On a l'impression d'être avec eux, quoi, ça c'est clair. Ça ressemble à la NASA, c'est souvent la réflexion de certains visiteurs quand ils voient une salle télémesure en œuvre ici avec tous ces écrans, ils sont impressionnés. Pour les ingénieurs de cette salle de télémétrie, un vol est resté dans toutes les mémoires. Le premier vol de l'A350. Le jour où il s'est envolé dans les airs pour la première fois de son histoire. C'était le 14 juin 2013. À 7h du matin, sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, 6 hommes descendent sur le tarmac. Ils embrassent leurs proches, puis ils prennent place dans cet A350. Là, c'est bon, Gabi. Merci. Je suis avec toi. On y arrive. Va, c'est par là, Gabi. Derrière les sourires, l'appréhension est là. Les équipements sont en mode commando. Pilotes, ingénieurs, mécaniciens, tous se sont équipés de parachutes. C'est obligatoire pour un premier vol. On doit anticiper tous les scénarios. Nous sommes à H-30 minutes du décollage. Voilà. Et on va les mettre là. On est très confiants. Gentlemen. Yes. Pascal, are you with us? So we are at closing doors. Okay. Donc, I close the door, I switch the sensor. Okay. Okay. I start now. On y va. À tes menus. Allez, Pascal, ciao. Le décollage qui va avoir lieu dans quelques minutes est suivi par les experts d'Airbus à partir de la salle de télémétrie. Okay, so Pascal, at your discretion, if you all agree for the engine start. Manu. Ce vol est aussi retransmis en direct dans tous les centres de conception d'Airbus en Europe. La 350, c'est le travail de plus de 60 000 personnes à travers le monde. Et à Toulouse-Blagnac, ce jour-là, des milliers de fans ont fait le déplacement pour assister à cet événement. Top. Il est 10 heures. Les pilotes mettent les gaz. Power search. Le patron d'Airbus, Fabrice Brégier, lunettes noires, est sur le tarmac pour vivre ce moment historique. L'avion quitte le sol pour la première fois. Le décollage a fonctionné comme prévu. Après ce premier vol de juin 2013, Airbus décide de mettre en production l'A350. Et pour cela, ils mettent en place, comme pour leurs autres avions, un système de fabrication unique au monde.
Les différentes parties de l'appareil sont construites dans les quatre pays fondateurs d'Airbus, France, Allemagne, Royaume-Uni et Espagne. En Allemagne, sont fabriqués l'avant et l'arrière du fuselage, le train d'atterrissage avant et la queue de l'avion. En Espagne, l'arrière et le ventre de l'appareil. La France, elle, produit la pointe avant, le fuselage central et les trains d'atterrissage centraux. En Grande-Bretagne, sont construits les moteurs et assemblées les ailes. Et c'est à Toulouse que tous ces éléments sont assemblés. Pour cet avion exceptionnel, il a fallu créer une usine exceptionnelle. En 2008 est lancée la construction d'un immense bâtiment à Toulouse, spécialement conçu pour la 350. Sa toiture est équipée de panneaux solaires. Résultat, il produit la moitié de l'électricité qu'il consomme. Airbus a aussi créé ce véritable monstre du ciel pour rapatrier les pièces de l'A350 fabriquées à travers l'Europe. On l'appelle le Beluga, car il ressemble à une énorme baleine blanche. Un Beluga se pose à Toulouse-Blagnac presque tous les jours. Airbus en possède 5. Le Beluga est conçu pour transporter des pièces XXL. C'est une sorte de coursier du ciel. Dans les ateliers de Toulouse, la baleine s'ouvre pour décharger plus de 50 tonnes de matériel. De sa soute, qui fait 17 mètres de haut et 7 de large, sortent les pièces prêtes à l'assemblage. Le nez de l'avion, les ailes, l'arrière de la carlingue, des pièces destinées à un gigantesque mécano. Mike Bozor est le directeur marketing de l'A350. Depuis 8 ans, il accompagne la naissance de cet avion. Donc c'est ici qu'on va faire l'assemblage final de l'A350 dans ce hall Roger Béteille qui a été spécialement conçu pour l'A350. La première étape va consister à faire l'assemblage du fuselage qui arrive en 3 tronçons. Donc ici on va venir faire la jonction de ces 3 tronçons pour obtenir un fuselage complet. Toutes les pièces livrées par le Beluga arrivent ici déjà prééquipées avec câblage et isolation. Sur les chaînes de montage, il reste à visser et à riveter les éléments entre eux. L'assemblage des ailes est délicat. Chacune fait 32 mètres de long. L'ensemble des opérations est effectué par des centaines de techniciens, de mécaniciens, d'ingénieurs. Ici, dans le vocabulaire d'Airbus, on les appelle les compagnons. Moi, je suis d'un côté, mon collègue de l'autre côté de l'avion, c'est plus simple. C'est mieux de faire un retour. Ouais. C'est bon. C'est-à-dire que moi, là, je suis en cabine et lui, il est en dessous, ce qu'on appelle en casse de train, en endroit du train d'atterrissage qui rentre, pour serrer les écrous. Nous, on est obligé de vérifier absolument tout avant d'envoyer en production, parce que d'un avion à un autre, même si c'est le même modèle d'avion, il y a pas mal de différences en fonction des options qui sont choisies par le client. Donc on va avoir des tuyauteries qui ne vont pas être placées exactement au même endroit, des câblages. Donc on ne peut pas se permettre d'utiliser l'expérience qu'on a eue avant sur un autre avion pour dire c'est bon, cette zone est accessible, on peut démonter. Ben non, on est vraiment obligé de vérifier à chaque fois. Pour l'aménagement intérieur, un système d'assemblage appelé plug and play permet aux pièces de s'emboîter très simplement. Sur le programme A350, tout a été étudié en amont pour que tout ce monde plug and play avec un gros gain de temps. C'est vraiment très agréable pour tous les gens qui travaillent sur ce programme. Coffrage, panneau d'habillage, toilette, coffre à bagages, tout s'insère comme dans un grand mécano. L'installation des équipements devient presque un jeu d'enfant. Bénéfice ? Un gain de temps énorme pour la fabrication. Pendant ce temps, dans un des cockpits, un compagnon fait un test de simulation d'accident. Traffic. Attendez, deux secondes. Alors, mon truc, justement, simulation de trafic. Descend. Alors, on voit qu'on est en train de simuler qu'un avion s'approche de nous.
Tout le système de câblage, incroyablement complexe, est pensé pour être le plus léger possible. Après la finalisation de la carlingue, place au moteur. C'est le dernier élément central de ce gigantesque mécano. Un moteur Rolls-Royce arrivant tout droit de Grande-Bretagne. Des milliers de rivets sont utilisés par les compagnons tout au long de cette opération. Pour assembler entièrement un avion, depuis son entrée ici en chaîne jusqu'à la livraison du client, il faut compter à peu près 2 mois et demi de travail. Nous avons une cadence actuelle qui tourne entre 2 et 3 avions par mois. Mais d'ici fin 2018, cette cadence va s'accroître pour atteindre 10 avions par mois fin 2018. Difficile d'imaginer que ce bijou technologique à 300 millions d'euros pièce est assemblé en moins de 3 semaines. Cet A350 est nommé XWB, fuselage extra large. 6 mètres de large qui font la différence pour nous, les passagers. Les points forts du confort de l'A350, c'est avant tout, donc, vous voyez des parois latérales qui sont quasi verticales, ce qui veut dire que même quand on est assis à côté du hublot, on a énormément de place ici au niveau des épaules, on a la tête bien dégagée, donc on a une impression d'espace qui s'en dégage. On l'a tous vécu, l'enfer dans l'avion, c'est l'effet sardine. La cabine fait 33 cm de plus que celle de l'A330 et offre donc des sièges plus larges. Pour un vol de plusieurs heures, ça change tout. Également, ici, au niveau du hublot, donc on a des volets électriques que je peux fermer de façon partielle. Si je veux dormir, je peux même fermer complètement le hublot de telle sorte à ce que j'ai une obscurité complète. Pour purifier l'atmosphère dans la cabine, le système d'air conditionné est ultra perfectionné. De nouveaux filtres bloquent l'ozone pour renouveler l'air dans l'avion toutes les 2 minutes. En utilisant toutes les dernières techniques de filtration et qui nous permet d'avoir la même qualité d'air que dans un bloc opératoire. Et comme tout est plus grand dans l'A350, vous pourrez emporter plus de bagages. Une des tendances actuelles au niveau du transport aérien, c'est l'emport de bagages de plus en plus volumineux par les passagers. Et comme vous le voyez, ici, ce coffre à bagages permet de prendre 5 valises de taille standard. En business class, des sièges toujours plus innovants, au confort absolu. Et grâce à ces matériaux composites, l'avion est bien plus silencieux. Cet avion est plus silencieux aussi, car tout a été étudié pour qu'il glisse parfaitement dans l'air. Ses ailes, fines et souples, sont plus légères qu'elles n'en ont l'air, car elles sont creuses. Leur squelette est constitué de ces pièces, appelées nervures. Des pièces alignées d'un bout à l'autre de la structure. Le tout est recouvert d'une sorte de peau en fibre de carbone, une première. Les ailes sont creuses, mais elles ne sont pas vides. Car c'est dans les ailes que se trouve une partie du kérosène. Un système complexe de vannes permet à cette masse liquide de circuler d'une aile à l'autre. Objectif, équilibrer le poids du carburant au fur et à mesure qu'il est consommé. La majorité du carburant se situe dans les ailes et dans le caisson central de l'avion, avec une répartition en gros 22 tonnes dans chaque voilure et une 60aine de tonnes dans le caisson central. Grâce à ces volets mobiles, situés tout au long des ailes, les pilotes peuvent faire varier la forme de la voilure. Ces volets sont actionnés par des moteurs situés dans ces 3 petites nacelles. Le but, amortir le choc en fonction des turbulences. La voilure arrière fonctionne de la même façon que les ailes. Avec ses volets mobiles, elle fait monter ou descendre l'avion dans les phases de décollage ou d'atterrissage. Chaque aile est équipée à son bout d'une pièce incurvée, appelée winglet. Une particularité sur le 350, c'est ces winglets qu'on a rajoutés avec ces formes aérodynamiques qui servent à réduire les consommations
due à la traînée de la voilure, et c'est pour ça qu'elle a une forme aussi évoluée. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que sur un avion, je ne dirais pas d'ancienne génération, le 330 qui est à côté a aussi des winglets, mais avec des formes beaucoup moins élaborées du côté aérodynamique. Cet avion consomme beaucoup moins que ses prédécesseurs. De 10 litres de carburant aux 100 km par passager en 1950, on est passé à 3 litres par passager pour l'A380 en 2005. Et seulement 2,5 litres aujourd'hui avec l'A350. Les ailes extrêmement souples battent pendant le vol sous l'effet des turbulences, comme celle d'un oiseau. Ces battements peuvent atteindre une amplitude de 5 mètres. La solidité de ces ailes est bien sûr essentielle. C'est la partie la plus sollicitée de l'avion. Sa résistance doit être parfaite. Dans ce bâtiment très spécial, on va la tester. Les ailes vont y subir de terribles tortures. Une fois l'avion introduit dans le hangar, il est bloqué dans une énorme structure métallique, une cage de fer. Tout le long de chaque aile, on attache des câbles. On y installe 12 000 capteurs. La cabine est alors pressurisée, comme à 10 000 mètres d'altitude. Les ingénieurs vont en temps réel avoir accès aux données des capteurs. Les vérins géants entrent en action. Pendant des heures, ces pistons vont tordre les ailes de haut en bas, à la limite de la rupture. Elles plient de plusieurs mètres, mais ne rompent pas. À ce moment, si une porte s'ouvrait, la dépressurisation ferait exploser l'avion et le hangar avec. Autre test, le comportement des trains d'atterrissage en cas de tempête. Pour cela, des sortes de piscines sont installées pour simuler des pistes détrempées. Autre torture. Regardez bien. La queue de l'avion touche le sol. Le pilote cabre l'appareil pour tester un décollage à très basse vitesse. Et pour tester la résistance de l'appareil à des températures extrêmes, Bruno Bigan et son équipe n'ont pas hésité à faire le voyage jusqu'en Floride, au centre McKinley. Ce centre est unique. C'est la plus grande chambre climatique au monde. Première opération, détacher les winglets pour réussir à faire rentrer l'avion dans le hangar. L'équipe française autour de Bruno Bigan et les Américains récapitule alors les tests prévus pour la journée. Libéré de l'extrémité de ses ailes, l'A350 est introduit dans ce hangar qui va devenir son enfer. D'énormes silos sont posés pour évacuer les gaz d'échappement à l'extérieur du bâtiment. Car les tests doivent se faire moteur allumé. La séance de torture peut commencer. L'équipe d'Airbus s'installe dans l'avion et verrouille toutes les issues. Bruno Bigan a préparé le programme du jour. Avec ce laboratoire, on a la capacité de demander la température que l'on désire. Et dans ce cas, on a fait des températures très chaudes, plus 45 et humides, que l'on trouve dans certains coins du monde. Dans ces conditions tropicales, les systèmes électriques vont-ils résister à de tels niveaux d'humidité? Et une fois qu'on a eu passé ces tests-là, eh bien on est passé au temps froid et on a pu descendre la chambre de climatisation à moins 40. Après plusieurs heures de froid polaire, le givre s'est incrusté partout. Je suis prêt pour la première batterie. 2, 1, top. On vérifie alors que tout fonctionne. Les commandes électriques, les batteries, le tableau de bord, la climatisation, le train d'atterrissage. Tout est OK. Les tests sont concluants. C'est fini. La 350 sort de cette forêt vierge polaire. Il reste à reposer les winglets
et rentrer en France. Retour à bord de notre A350 numéro 2. Il reste environ 45 minutes de vol avant d'atterrir à Munich. Les deux pilotes effectuent eux aussi un certain nombre de tests sur le fonctionnement des systèmes électroniques. À la lueur des incidents ou même des accidents qui ont eu lieu, on essaie toujours d'améliorer le produit pour renforcer la sécurité et ensuite aussi pour profiter des nouvelles technologies qui sont disponibles. Il y a une continuelle évolution. Vous pouvez imaginer qu'il y a 28 ans, les technologies, Internet, etc., pour les avions, ça n'existait pas. Donc tout ça, ça demande des essais d'intégration. Sur cet avion, tout a été pensé pour faciliter la prise en main par les pilotes. Le fameux manche à balai est entièrement électronique. Une grande majorité des commandes sont communes au cockpit des différents appareils d'Airbus. Résultat, 8 jours d'entraînement suffisent aux pilotes dans des centres de formation pour passer par exemple de l'A330 à l'A350. C'est un argument commercial important pour les futurs acheteurs. Après 2 heures de navigation, notre A350 va bientôt atteindre sa destination. Bruno Bigand et les pilotes font le point avec les ingénieurs installés au fond de l'avion. Tous les essais prévus ont pu être effectués. Qualité de l'air, comportement de l'avion, réaction de la voilure, connectivité. Reste la phase toujours sensible de l'atterrissage. À ce moment, l'A350 se connecte à un système d'assistance situé au sol. Ce système intelligent aide les pilotes à s'ajuster parfaitement à l'alignement de la piste. Une sécurité de plus pour l'équipage et les passagers. L'avion descend par paliers successifs. La piste d'atterrissage est en vue. Au moment de l'atterrissage, l'avion roule à 200 km/h. Les 10 roues vont subir une pression de 200 tonnes. Pour éviter les risques de crevaison, les roues sont dotées d'un système de surveillance de pression des pneus. Des informations sont transmises au sol en temps réel grâce au Wi-Fi. Les trains d'atterrissage sont bien sûr un élément central. Jusqu'à présent, ils étaient en acier. Avec l'A350, on est passé à une nouvelle génération, celle du titane. Un métal beaucoup plus résistant et 2 fois plus léger. Train d'atterrissage. Très particulier sur 350, hein, puisque on a été obligé de mettre 2 contre-fiches pour mieux répartir les efforts avec la structure. Un système de frein ultra perfectionné est logé dans les roues elles-mêmes. Ces freins en carbone dernière génération supportent beaucoup mieux la chaleur dégagée pendant le freinage. Ils ont été conçus pour résister jusqu'à 2000 degrés. Au moment de l'atterrissage, en plus de ces freins, d'autres systèmes entrent en action. Les aérofreins des ailes et les inverseurs de poussée du moteur. Midi. L'avion se pose à Munich. Mission accomplie. Tout l'équipage d'Airbus, Bruno Bigand en tête, sort de l'avion. Comme pour tous ses vols d'essai, l'équipe est attendue sur le tarmac. Donc on a fait notre programme et on n'est pas passé une fois dans les nuages. Les essais de ce type vont se poursuivre jusqu'en 2016 grâce à ces 5 appareils. Mais ils ont déjà permis de commercialiser l'A350. Grâce à eux, le dernier né d'Airbus a obtenu en 2014 ce qu'on appelle dans le jargon son brevet de certification à l'occasion d'un grand show. C'est un honneur de vous remettre ce certificat type pour l'A350-900. Merci. C'est le vôtre.
Et cela représente le futur d'Airbus dans ce qui est probablement l'industrie la plus compétitive de la planète. Votre détermination à toujours produire quelque chose de meilleur se voit dans la 350 et à chaque renouvellement de la famille Airbus depuis 40 ans. Les premiers à avoir été séduits par la 350 sont les Qataris. Nous sommes en 2014 à Doha. Ce jour-là, Airbus a mis les petits plats dans les grands. L'enjeu est de taille. Convaincre les richissimes Qataris de choisir l'A350 plutôt que le B787 de Boeing. Le vol de démonstration est parfait. Et une grande partie de l'état-major européen a fait le voyage. Paris réussi. La compagnie Qatar Airways signera la première grosse commande. Ce sera la première à être livrée. La première à mettre l'A350 en service sur une ligne régulière entre Doha et Francfort, le 15 janvier 2015. Une fois le contrat signé, reste à mettre les appareils aux couleurs de la compagnie. L'avion arrive couleur jaune-vert, celle de l'enduit anti-corrosion appliqué pendant le montage. Il faut une tonne de peinture pour l'ensemble de l'appareil. Chaque opération est un véritable travail d'artiste. Il faut par exemple dessiner avec soin des caches pour imprimer le logo de la compagnie. L'opération peinture dure une petite semaine dans les hangars de Toulouse. L'avion est alors fin prêt. D'autres compagnies vont être livrées, comme Vietnam Airlines en 2015 ou Air France KLM en 2016. Avec l'A350, l'ambition d'Airbus est de conquérir 50% du marché mondial des longs courriers. Un marché actuellement dominé par Boeing. L'enjeu économique et politique est considérable. L'A350, c'est le savoir-faire européen face à la puissance américaine. Un défi avant tout technologique. Sa structure en fibre de carbone, sa sobriété en carburant. Ces multiples innovations ont exigé 8 ans d'études et plus de 10 milliards d'euros d'investissement. Airbus a misé très gros pour gagner son pari. Mais au-delà de la technologie, l'histoire de cet avion, c'est aussi une aventure humaine à l'échelle de l'Europe. Des milliers d'ingénieurs, de pilotes et de techniciens de différentes nationalités ont travaillé ensemble. Ils ont mis au monde cet avion avec passion, dévouement, fierté et parfois sacrifice. J'ose pas dire que c'est un peu mon bébé parce que je suis pas tout seul, mais c'est un esprit d'équipe. Mais il y a quand même une petite part sensible et quand on le malmène un peu trop, on me malmène un peu. Pour moi, c'est une véritable chance qui m'a été donnée. J'ai commencé à promouvoir cet avion. J'avais quelques petites planches PowerPoint et aujourd'hui, j'ai de vrais avions, donc je suis très très heureux. Et on fait sa portation, c'est quand même un bijou technologique, un avion qui est issu du 21e siècle. Imaginez que du jour au lendemain, on vous dise, voilà, on va vous donner une Ferrari, hein, vous en occupez bien, hein, vous la lavez, vous l'entretenez, hein, et on vous demande qu'une seule chose, c'est de l'essayer et de la faire marcher. Voilà un peu... le cadeau qu'on nous fait régulièrement. Clairement, avec l'A350, on entre dans une autre dimension. Nous sommes au cœur du projet et ça a été très excitant.
Avant même son premier vol commercial en janvier 2015, plus de 750 exemplaires de l'A350 étaient déjà commandés. Un record à ce stade. Airbus espère en vendre 1500 autres dans les 20 prochaines années. Si cet objectif est atteint, cet avion représentera alors un tiers de son activité. Cela créerait 35 000 emplois directs en Europe, dont 10 000 rien qu'en France. L'A350 a au moins 20 années de carrière devant lui. Il sera décliné en plusieurs versions. Vous le découvrirez bientôt dans tous les aéroports du monde. Avec lui, s'ouvre une nouvelle page de l'aéronautique civile. L'histoire ne fait que commencer.